Coucou mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Alors aujourd'hui une vidéo, c'est la première fois je crois que je vais faire ce format de vidéo. Ouais, même j'en suis sûre, c'est la première fois en fait. Et je voulais quand même réagir à vos commentaires sous ma vidéo. Je donne mon compte VIP niveau 46 sur MSP. D'ailleurs merci beaucoup, vous avez été très nombreux à visionner cette vidéo. Voilà, pas loin de 22 000 vues. D'ailleurs bon, je vous mettrai la vidéo en description. En dessous et aussi dans l'outro pour ceux qui souhaitent encore aller la voir même si elle est plus trop d'actualité. Vous avez été très nombreux à liker, du coup je vous en remercie. Et bah tiens, je vais m'auto-liker, personne n'a rien vu. Enfin bon, c'était pour réagir aux commentaires parce que bon, comme dans la plupart des vidéos, des fois il y a des gens qui commentent avant de regarder toute la vidéo et du coup je trouve qu'il y a certains commentaires qui sont assez marrants, assez rigolos, voire pas très cool pour moi, hein, mais bon, je ne cache rien, on va aller voir tout ça. On va aller voir ça ensemble, il y a des commentaires que je vais encore découvrir puisque oui vous êtes très nombreux à commenter et malheureusement je ne vois pas non plus tous les commentaires. Je regarde surtout les commentaires le premier jour où je sors la vidéo, le deuxième jour et après ben, il y a des nouveaux commentaires que je ne vois plus. Du coup je vais regarder ça et nous allons découvrir ensemble, mais pour reconstituer la situation, c'est une vidéo dans laquelle je vous dis que je vous donne mon compte et ensuite je vous dis que finalement que non, c'était une blague. Puisque oui, la vidéo a été postée le 1er avril, mais pas tout le monde avait compris que c'était un poisson d'avril et pas tout le monde a attendu jusqu'à ce que je le dise pour laisser un commentaire. Mais en gros, je demandais dans cette vidéo la raison pour laquelle je devais donner le compte à toi, en fait, qui écrit ce commentaire, qui veut mon compte. Et du coup, la personne qui voulait mon compte devait écrire un commentaire en se vendant, entre guillemets. Donc on va aller découvrir ça ensemble. Alors... On va essayer de trouver les commentaires un peu rigolos. Ah voilà, j'ai juste regardé la photo de couverture et le titre pour comprendre que c'était un poisson d'avril car nous sommes le 1er avril. Bah oui, hein. Mais j'y ai trop cru, Quinzel, c'est pas bien de faire des trucs comme ça. Mais bon, Nana est là à regarder toute la vidéo. Même avant de finir et de regarder, je sais que c'était un poisson d'avril. Je me suis spoilée dans les coms. Oui, il faut pas aller vous spoiler dans les coms. Quand vous regardez ce genre de vidéo, poisson d'avril, je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne vois pas. Je pense que ce que je vais faire... Je t'aime en amitié, t'as l'air super sympa, et si j'ai une chance de me gagner, je te ferai aller au niveau 1000, te donnerai des nouvelles de ton compte et tout. Alors, bonne façon de se vendre, mais j'ai vu pire, j'ai vu pire. J'étais en larmes, mais c'était pas le but. C'était pas le but de vous faire pleurer, prank, it's a prank. Je me suis dit, attends, Kazé, c'est une blague, je réfléchis 3 secondes et je me suis dit, ah, on est le 1er avril. Bon, il y a beaucoup de... Alors attendez, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va trier par les plus récents. Bah non, je voulais faire l'inverse en fait, des plus récents. Bon, on va tenter les plus récents, puisqu'au moins ce sont des commentaires que je n'ai pas vus. Si je gagne le compte, j'aurai un souvenir de toi et j'en prendrai soin. Bon, bah quand même, il y a son commentaire, mais si tu n'as pas compris, oh, tu m'as fait grave peur. Non, donne pas ton compte, je t'aime trop fort, oh, c'est mignon. Poisson d'avril. Et moi j'avais commencé à écrire, j'aimerais trop que tu me le donnes. Mon perso, j'y ai cru. Alors vous avez été nombreux à me dire que vous le saviez, hein, que c'était un poisson d'avril, mais il y a quand même des gens qui sont tombés dans le panneau, ou des gens qui y ont cru, et heureusement regardé toute la vidéo pour constater que ce n'était que pour le poisson d'avril, pour le 1er avril. Je ne veux pas de ton compte, tout ce que je veux c'est que tu sois heureuse et que tu donnes ton... Et là tu donnes ton compte, comme ça il y a des personnes, ils vont changer le mot de passe et vont voir tes messages privés. C'est faux, c'est le 1er avril. Je veux car je ne suis pas VIP et je suis coincée. Ah voilà, c'était elle. C'est surtout l'Oblicat qui m'a donné envie de tourner cette vidéo-là parce que je suis tombée dans mes notifications à droite sur son message, sur son commentaire sur la vidéo. Coucou, je voudrais que tu me donnes ton compte car j'adore MSP, je t'adore toi. Si tu me le donnes, il sera entre de bonnes mains, je te le jure, j'en prendrai soin. Si tu veux, tu m'enverras des messages avec les tenues que tu veux que je mette et je les mettrai. Ça sera encore un peu comme ton compte. Comme ça, je t'offrirai des cadeaux à tout le monde, je te le jure. Et si tu veux, mon compte MSP, c'est l'Oblicat. C'est pas juste, je te croyais moi. Alors, c'est pas très cool parce que là, elle te dit un message genre un petit peu mignon en te disant oui, je t'adore et tout, ton compte sera entre de bonnes mains et tout. Alors vraiment, si tu m'adorerais vraiment, tu serais contente que c'était un poisson d'avril et que je garde le compte, tu vois. Et là, elle me dit juste après, c'est pas juste, je te croyais moi. On va lui mettre quand même des petits, j'adore ton commentaire.
Mais il y a eu pas mal de messages comme ça et ça m'a fait énormément rigoler. C'est qu'il y a des personnes qui m'ont dit ouais, je t'adore et tout, c'est trop triste que tu partes et tout, non, machin, etc. etc. Après qu'ils me disent donne-moi ton compte. Et pour finir en troisième, ah non, c'était pas vrai, oh c'est dommage. Genre c'est dommage que je donne pas mon compte quoi. Bah merci, merci beaucoup. Mais c'est quoi ça? Ah, mais arrête de faire ça, donne jamais ton compte, arrête, je t'en supplie. Ne le donne pas. Si je le gagne, je serai la première fois VIP. Je dirai pas le mot, mais je l'ai cru. Tout ce qui aime Kerzen n'acceptait pas de prendre son compte, ça se trouve, après, elle va regretter. Le pire, c'est que quelques jours avant que je fasse cette vidéo-là, genre peut-être même en semaine, j'étais en live et je disais que ne donnez jamais votre compte, à la limite, si vous voulez arrêter de jouer, gardez le compte et vous verrez que peut-être plus tard, même si ça se compte en mois, peut-être d'ici 6 mois, vous aurez envie de revenir sur le jeu et vous n'aurez plus de compte. Donc gardez-le, même si vous voulez arrêter de jouer, notez-le quelque part. Et puis voilà, ou au pire, prêtez-le à une personne de confiance. Et encore, sur ce point-là, c'est très... voilà. Quand je dis une personne de confiance, c'est vraiment une personne de confiance que vous connaissez très très bien. Ah, j'ai regardé la description et je vois quoi? Publié le 1er avril. Voilà, exactement. Mais non, faut pas pleurer. Moi, s'il te plaît, 15 L, car ça fait 4 ans que j'essaie de progresser dans le jeu et je t'aime trop, s'il te plaît. J'ai cru que tu m'as fait peur. Bah oui, tu es une très bonne actrice, mais le jour n'est pas crédible. J'y ai pas cru, moi, mais bon, bravo. Bah, c'est vrai que le jour n'est pas crédible, mais si j'aurais mis ça le 2, le 3 ou le 4 avril, je me serais fait insulter, puisque c'est vrai que ce genre de blague se fait uniquement le 1er avril. Hein. On va pas faire ça tous les jours d'avril, parce que ça va être compliqué de vivre en un mois d'avril dans l'année, quoi. Où t'as tous les jours des gens qui te font des blagues. Donc un autre jour que le 1er avril, ça aurait pas été honnête de ma part. J'ai préféré le faire vraiment le 1er. Je te verrai en grand et tout le monde t'adorera et je le ferai pour t'aider. Je te verrai en grand. J'ai pas compris, mais d'accord. Je voudrais parce que ça va faire 3 ans que je veux être VIP et je n'y arrive pas. Et du coup, je voudrais être VIP. Là, ça fait presque 4 ans maintenant. Oh... j'ai envie de l'avoir le coup de cœur, le mien ça n'avance pas, je ne sais pas trop bien jouer, c'est pour ça que je le veux. Après si vous commencez à jouer MSP, c'est pas forcément une bonne raison de vouloir un compte beaucoup plus haut level, parce que justement vous êtes là pour apprendre et si vous devez apprendre à jouer sur Movistar, le mieux c'est de commencer par un petit compte. Parce que là sur mon compte c'est Bagdad. Hein. J'adore les poissons d'avril, c'est vraiment réel. Moi, s'il te plaît, je t'ai suivi, j'adore ton compte, t'es trop belle, j'adore, j'ai activé la cloche, je suis fait une abonnée, je t'aime, je ferai tout, promis, s'il te plaît, mon compte. C'est vrai, tu vas pas le donner, sinon je t'adore, bisous, tu pourras l'accepter, s'il te plaît, ton compte, 15 ans, je t'adore, et j'ai cru. Là, ça va, parce qu'encore les gens qui volent mon compte et qui après me disent, ah, ça va, tu le gardes. Mais le pire, c'est que les gens qui te disent, oh non, c'était pas vrai. moi, car je voudrais vivre depuis longtemps, j'aime trop, t'es trop gentille. C'est un poisson d'avril, pas vrai, poisson d'avril. Tu m'as eu. C'était pas crédible. Si je veux gagner, je voudrais car j'ai... Alors attends, là on voit un message en gras, ça m'interpelle. Si je gagne ce compte, je parlerai respectueusement sur MSP. Je vais économiser les Starcoins et les Diams. J'accepterai tout le monde en ami. Je dirai bien que le compte sera à moi. Et je ne me ferai pas passer pour toi. Et je me connecterai régulièrement. Et posterai des vidéos YouTube sur ce compte. Voilà, JTDR. Je t'adore. En vrai, le message est bien. Le message est propre. Le message est pas mal. Mais tu n'auras pas mon compte. Je vois tout ce que tu me diras de faire si tu veux parce que ça fait 5 ans que je suis sur MSP. Je n'ai jamais été aussi riche que toi et je suis que au niveau 14 et je n'ai jamais été VIP. Moi je suis honnête, j'ai regardé la date de la vidéo. Oula, je me suis pas fait avoir car avant je regardais le même prank. Bah oui, hein. C'est 1er avril, de toute façon, il y avait plein de youtubeurs qui ont fait des vidéos. Alors c'est vrai que le 1er avril, il y a eu pas mal de gens qui ont dit « Oui, j'arrête YouTube », tu vois, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de vidéos comme ça. J'arrête ton compte car je n'ai jamais été VIP, à chaque fois je me fais pirater, s'il te plaît, moi. Bah c'est pas du tout une bonne raison de donner mon compte à quelqu'un qui se fait pirater, qui se fait tout le temps pirater. Ce n'est pas absolument pas une bonne raison. Là, t'aurais peut-être dû éviter de dire ça, quoi. C'est pas la seule youtubeuse qui a fait cette blague. Oh, merci de parler à la troisième personne, hein, mais bon, tiens, je vais quand même te mettre un petit cœur. Ça fait plaisir. Là, je m'en suis doutée. Ça me fait trop peur, tu as fait trop bien le truc. Merci.
Je veux bien le compte vu que je me suis fait pirater il y a pas longtemps, j'avais un compte IP aussi. Si tu le choisis moi, je serais vraiment actif et je le prendrai soin, t'inquiète pas. Bisous, en passant, je suis abonné et je like toutes tes vidéos et tout. Alors je rappelle, encore une fois, non, ce n'est pas une bonne idée de dire à quelqu'un donne-moi ton compte, je me suis fait pirater, parce que la personne elle va se dire non mais si je te donne mon compte, tu vas te faire pirater encore avec le mien cette fois-ci. Non, le donne pas s'il te plaît. Ah merde, je me suis fait avoir. Moi j'ai regardé la description pour voir si c'est marqué 1er avril ou pas, c'est un poisson d'avril. Mais pourquoi vous regardez la date? Fallait pas regarder la date. Vous êtes spoil, tout seul. Sinon je t'adore, bah merci beaucoup. Le 15 est trop lol, je t'adore, toi et tes vidéos, et tu étais super crédible. J'ai fait croire, lol, continue comme ça, t'es super. Ça veut dire j'ai failli y croire. J'aime trop ton compte, dommage que je peux pas l'avoir, surtout que le mien est nul. Mes parents ne veulent pas payer, mais j'aimerais l'avoir parce que je pourrais m'amuser. Je n'ai jamais été vite, s'il te plaît, je t'en supplie, j'aimerais ce compte, surtout que sur mon compte, de ces moments, je me suis piratée et je ne te mens pas. Encore une personne qui s'est fait pirater. Mais non, mais dites pas ça, dites pas ça. Alors, on va essayer de voir un commentaire. J'avoue y avoir cru. Tu m'as vraiment fait peur, Quinzel. Et vu que je l'ai pas regardé le 1er avril, j'ai vraiment cru. Peut-être que si je l'aurais regardé le 1er, j'aurais peut-être pas cru. Mais bon, vu que je n'avais pas eu la notif, MSP, moi j'ai pranké ma mère. Vu que j'avais pris un peu de poids, je lui ai dit que j'étais enceinte. Elle m'a félicité, mais après, je lui ai dit qu'on était le 1er avril. Elle m'a dit, et alors? Je lui ai répondu, réfléchis, maman, le 1er avril. Elle m'a répondu, je vois pas de quoi tu parles. Je lui ai dit, le 1er avril, c'était la journée des blagues. Quand on conclut que c'est une blague, elle m'a dit qu'elle y aurait pas pensé, lol. Je chante ta mère dans le plus grand des calmes et te dis félicitations et tout, et puis voilà. Poisson d'avril. Oui, tu as été très crédible. Je voudrais, parce que moi je suis niveau 4 et j'aimerais avoir faire des cadeaux à des gens et j'aime bien être VIP. Je le voudrais beaucoup, 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 beaucoup. Ok, bosser le 1er avril, t'es cramé. Pourquoi toi, reste, on aime tous, ne nous laisse pas. Tes habits, c'est un magasin. Non mais c'est trop ça, le pire, c'est qu'il a raison. Ou elle a raison. C'était qui, Salba? Elle a raison, pardon. Oh, c'est mignon. J'ai pas cru. Moi, j'ai pas besoin de ton compte, je te connais depuis 2 jours. Moi, vers la fin de la vidéo. tu devrais me choisir parce que j'aimerais bien avoir un compte MSP fait par les propres mains de ma youtubeuse préférée. Au début de la vidéo, j'ai regardé la date, j'ai vu. Oh, le stress, mais non, faut pas stresser. Je t'aime, mon amitié, tu as l'air super sympa et j'ai une chance de ne gagner, je le ferai aller au niveau 1000. Ah, ça c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure. On va lui mettre un petit like à son commentaire. Et j'adore ton compte, on t'adore, nous on t'aime, mais si tu le donnes, je vais bien, mais avec le nombre de commentaires, j'espère quand même avoir ton compte. Je t'aime et je suis fan de toi. Ok. Super vidéo, merci. Bon, en vrai, les personnes qui me connaissent vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, auraient dû savoir tout de suite que c'était un fake pour le 1er avril. Parce que, comme j'ai dit, je donnerai jamais mon compte. À la limite, je peux le laisser à Lalo pour qu'elle continue à gérer pendant que j'y joue pas. Ça me dérange pas. Par contre, je pourrais jamais le donner, puisque c'est vrai que si dans 6 mois, si je fais une pause là maintenant, dans 6 mois j'ai envie de revenir, bah j'ai plus de compte. Voilà, et puis même, c'est vrai qu'il y a, pour revenir, je sais plus c'est qui m'avait dit dans un commentaire en disant que les gens pourraient voir les messages privés. Voilà, c'est une raison de plus. Si je donnais mon compte à quelqu'un, bah déjà la personne, elle pourrait se faire passer pour moi. Elle pourrait lire tous les messages privés. Il y a eu quand même des choses, des fois, des moments, surtout au début, quand j'avais encore le temps de répondre à tout le monde, des messages vraiment privés, vraiment d'ordre privé, sur la vie privée des gens, etc., qui me racontaient leurs problèmes, j'essayais de les aider. Et c'est vraiment ce genre de messages que je ne voudrais pas que d'autres personnes puissent les voir, parce que ça se fait pas envers la personne qui m'a contacté et qui a eu confiance en moi. Également pour toutes les personnes qui m'ont aidé, que ce soit en m'envoyant des autos, en m'envoyant des salutations. C'est très gentil à vous, et du coup, par respect aussi pour ces personnes qui m'ont énormément aidé, ce serait vraiment impoli et respectueux de ma part de filer mon compte comme ça. Voilà, voilà. Quinzel, pourquoi? J'aimerais bien, vu que j'ai déjà perdu un compte VIP, j'étais débité, j'ai délaissé un compte et maintenant j'ai recommencé un compte, mais pas super. Voilà, mon compte qui était VIP s'appelle Camille, elle l'a jamais utilisé. Voilà pourquoi, bisous. Alors c'est vrai que là c'est chaud, puisque en plus d'avoir perdu un compte VIP, elle a délaissé un autre compte et elle veut que je lui donne mon compte. Mais non, j'ai peur pour mon compte là, j'ai peur à mon compte. Hein. Moi s'il te plaît, quand je vais prendre soin, s'il te plaît, tu laisseras l'email, mais s'il te plaît, je t'adore. Ah, c'est un prank, merde.
Tu m'as fait flipper. Ah, oh. Bah écoutez, voilà, c'était juste... Connasse, ma soeur y a vraiment cru parce qu'elle a perdu son compte niveau 19 et ça se fait pas, putain. Oh mon dieu, mais déjà tu te calmes, arrête d'insulter, c'est pas très très gentil là d'insulter. Hein, c'est ce qui... Voilà. On est le 1er avril, c'était une blague. Hein, voilà, hein, donc tu te calmes. Dis-moi, c'est ta poisson d'avril. Mais en tout cas, moi je vous laisse. Je pense que... Bah dites-moi si vous avez quand même aimé cette vidéo. J'espère qu'elle a pas été trop ennuyante pour vous. J'espère que ça vous aura plu quand même. Dites-moi si ça vous aimez bien ce genre de vidéo. Si vous aimeriez bien que je réagisse des fois à certaines vidéos où les commentaires sont intéressants. Parce que là, j'ai trouvé intéressant. Bon, le problème, c'est que j'aurais peut-être dû les trier pour vous montrer uniquement les plus intéressants et les plus rigolos. Du coup, là, on a vraiment fait, genre, on a fait un petit peu le tour. Mais voilà, voilà. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais de très, très gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je réagirai à ma vidéo où je réagis aux commentaires. Non, j'arrête mes conneries. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Gros bisous à vous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.